An indirect object pronoun replaces an indirect object noun and expresses to or for whom an action is done. The indirect object pronouns are me, te, lui, nous, vous, leur. To know if you need an indirect object pronoun, look for the preposition à. In this example, à qui parle Gisèle? The indirect object is the answer to the question. In other words, Gisèle's mother. Gisèle parle à sa mère. Indirect object pronouns replace indirect object nouns and the prepositions that precede them. Watch. Gisèle parle à sa mère. Gisèle lui parle. J'envoie des cadeaux à mes nièces. Je leur envoie des cadeaux. The indirect object pronoun usually comes before the conjugated verb. Antoine, je te parle. Notre père nous a envoyé un poème. Move on. To use an indirect object pronoun in a negative statement, just place it between ne and the verb. Watch. Antoine, je ne te parle pas de ça. Notre père ne nous a pas envoyé de poème. Attention! When an infinitive follows a conjugated verb, the indirect object pronoun comes before the infinitive. Watch. Nous allons lui donner la cravate. Ils espèrent vous prêter le costume. Note that the indirect object pronouns me and te become m apostrophe and t apostrophe before a vowel sound. Ton petit ami t'envoie des emails? Il m'envoie beaucoup d'emails. And in the passé composé, the indirect object pronoun comes before avoir. Tu nous as parlé? Isabelle m'a prêté son sac à main. In a negative sentence, place the indirect object pronoun between ne and avoir. Tu ne nous as pas parlé? Isabelle ne m'a pas prêté son sac à main. Here are a few examples of verbs commonly used with an indirect object. Demander à. Donner à. Envoyer à. Montrer à. Parler à. Poser une question à. Prêter à. Téléphoner à. Kind of pronoun. Disjunctive pronouns. Remember them? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. You know that disjunctive pronouns are used after prepositions. Well, they can also be used alone, without a verb. Qui prend du café? Moi. And you can also use them for emphasis. Mon frère, lui, il déteste les casquettes. Finally, to say myself, ourselves, etc., add même after the disjunctive pronoun. Tu fais ça toi-même? Nous faisons ça nous-mêmes? À vous.